Nous avons repris la route mardi, vers midi, après le déjeuner. Bye bye le sud, l'Auvergne, nous voilà. À partir de Montpellier, nous avons traversé des paysages magnifiques. L'Aubrac notamment, superbe. Et nous avons aussi traversé le pont de Millau. Ça démangeait Christophe de drôner ici. Alors, ce que monsieur veut... Voilà, nous sommes arrivés chez nos amis hier, Guillaume et Yannick. Une soirée tranquille, avec une truffade locale et un dessert maison. Délicieux. Nuit calme, courte, mais reposante. Au réveil, nos amis étaient partis travailler. Bah oui, il y en a qui bossent quand même. Mais on a eu droit à un petit déjeuner bien copieux, avec des confitures maison. Nous sommes à côté d'Issoire, à Perrier, chez nos amis Guillaume et Yannick. On a passé la nuit ici. Une super bonne nuit, on est au calme, en pleine nature. Et puis je vous montre aussi leur petite chambre Airbnb parce qu'ils ont une chambre qu'ils partagent du coup. Ils font aussi table d'hôtes. Et voilà, nous on s'est régalé hier soir, on va vous montrer ça aussi. On est là. Donc le côté cuisine. Alors faut savoir que Yannick cuisine super bien, Guillaume aussi même. Et Yannick, voilà, ce matin on avait des petites confitures maison super bonnes. Hier soir on avait un plat typique délicieux. Donc vous ne regretteriez pas. Ici donc c'est le salon. Enfin, la salle à manger. Alors c'est très cosy, très chaleureux. On monte à l'étage, donc là c'est leur chambre. Et là venez voir, il y a une super belle salle de bain qu'ils partagent avec leurs invités, du coup quand ils ont des invités Airbnb. Venez voir la baignoire. Et enfin quand ils ont des invités Airbnb, ils peuvent passer par ici, c'est une entrée indépendante et donc du coup ils arrivent directement dans la chambre. Là ils ont un petit sorte de petit vestiaire pour pouvoir poser leurs affaires, leurs manteaux, les chaussures. Et venez voir la grande chambre qui est très cosy, très confortable, et les draps sentent l'or qu'il est, et ça vous ne l'aurez nulle part ailleurs. Voilà, nous on a super bien dormi, c'est très calme. C'est vraiment les petits oiseaux le matin, c'est chouette. Non, c'est vraiment une belle, un bon Airbnb en pleine Auvergne. Vraiment, si vous avez un jour à y faire un tour, n'hésitez pas. Ils sont adorables en plus. Donc voilà, on vous a montré notre petite soirée d'hier soir et on repart aujourd'hui direction Nantes maintenant. Encore quelques heures de route et on sera sur Nantes. Petite pause déjeuner pour couper ces heures de voiture. On a de la chance. 3 jours de route, 3 jours de soleil. On se rapprochait doucement de Nantes. Nous y resterons un petit peu plus d'une semaine. Visite guidée de notre Airbnb dans la prochaine vidéo. À très vite!